Docteur Mona Hydreville. Salut les amis, on espère que vous allez bien. On est sous le Bic Résistance CHUG avec Madame Stella Moutou qui va effectivement vous expliquer ce soir ce qu'elle a fait, la vidéo que vous avez vue de danse, ses compétences de danseuse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes danseuse ? Je suis passeuse de danse. Alors c'est quoi une passeuse de danse ? C'est quelqu'un qui utilise ce qu'elle estime devoir faire le mieux, pouvoir faire le mieux, savoir faire le mieux, et en le transmettant, en le partageant avec tout son cœur, avec toute son âme, à toutes les personnes qui veulent bien venir à ma rencontre. Alors c'est un mélange, on peut dire, est-ce que c'est un mélange de jazz, un mélange de quoi? Ben, la base c'est le groka. C'est le groka. Parce que c'est ce qui m'a amené à la danse depuis toute petite. Tamboula qui chaillait moins, tamboula qui vibrait, qui a continué à vibrer même si on n'a pas utilisé la musique à Boka tout le temps. Mais tamboula là tout le temps, Boka là tout le temps, vibration Akala là tout le temps en fait. Donc c'est en danser qui libre en fait. Pas ni non, on ne veut pas étiqueter, mettre dans catégorie, c'est danser pour libérer, non, corps, qu'est. C'est ça en fait. Alors qui c'est les dans le gros cas des tambouillés, des maîtres gros cas qui effectivement qui inspire à ça? Qui conquête Robert Loison, c'est des mouns déjà chanté des bitins que nous ca vivre à l'air, ils étaient avant-gardistes, ils étaient qu'à annoncer ça qui ca vivre. Et c'est mouns là ça au niveau et laisser en l'eau héritage dans nous. Nous des mouns qui l'a toujours, bébé Rosemar, qui a fait un bel travail et qui ont une belle relève vers 700 à tour, on y a un bouquet pour placer. C'est des jeunes qui ont joué, cogné tambour, ils ont pas dansé, ils ont pas chanté. Et en aimé en l'eau, ça ils ont pas fait. Les gens ils ont pas fait. Et ils ont l'eau mouvement qui tirait tout côté en Guadeloupe. Qui a permis de nous chouquer à danser à nuyer en fait. Alors, tu as fait combien de temps qu'on a fait ça? Quand tu as dansé ou quand tu as enseigné? Au moins 20 ans. Hein. Ah oui? Ah ouais. D'accord. Ah, depuis que tu as gardé, tu as compris que tu es un petit monde qui peut-être pas même majeur. C'est un maman petit monde. C'est un maman trois petits mondes. Donc nous peut dire que la danse qu'a conservé bien. Oui, la danse c'est vitalité, hein. C'est la vitalité. Danse c'est vie, c'est expression et c'est entretien à corps parce que c'est considéré aussi comme un sport de haut niveau. Les athlètes, les danseurs, c'est les athlètes de Dieu. C'est Einstein qui a dit ça. D'accord. Donc est-ce qu'elle nous peut dire que avant de danser là avec Docteur Mona Hydreville qui a parlé nous en l'eau effectivement des sels, pas manger sel, donc qui a fait attention. Est-ce que vous en tant que danseuse ou une diététique particulière ou qui a fait attention à sel, à sucre
où elle sera mangée toute bitée. Mais quand tout le monde est dans un essai, un essai, il faut encore faire attention parce que mon air a dit moi tout le temps, hé, hey, attention. Voilà. Donc, encore éviter trop de doucet, même si c'est important aussi, mais éliminer. Quoi éliminer, voilà. D'accord. Est-ce qu'on te connaît un message particulier à passer pour un monde si on a fait la danse, mais qui a dit qu'on sait, est-ce qu'il peut vivre de ça? Est-ce qu'on a un message à bail, peut-être d'encouragement ou un message quelconque à bail? Un monde qui a dit qu'il peut faire danse aussi, est-ce que son métier est difficile? Est-ce que son métier qui est passionnant? Qu'est-ce qu'on a dit? Ben, son métier passionnant. Quand il est passionnant, il a qu'un bénou, c'est passion-là qui a qu'un bénou, mais c'est vrai, ça pas facile de vivre de ça. Donc, il faut pas poser bon en même, mais c'est qu'elle a qui a posé nous souvent. Mais depuis où il est, on peut faire tout ça ouvrir. Depuis où il est, on peut faire tout ça ouvrir. Et exemple à ce moment-là, à ce bit-là, c'est qu'elle qui a qu'un bénou là. Mm-hmm. C'est qu'elle a. C'est battement qu'elle a qui a fait que Guadeloupe a vibré et Guadeloupe a regretté beaucoup quand en soi ça y avait fait. Donc là, nous avons résisté avec qu'elle a, avec Paula et pour Paula Gaïa, nous avons dansé à ce vite-là. Tous les mercredis, donc tout ça qui veut nous danser, by force, en force, et bien, donc là, je dis là, vous lancez première édition là. Première édition à Danse là, qui est là depuis 7 ans. Donc, vous pouvez danser liberté. Donc, vous pouvez confirmer effectivement que mercredi prochain, si c'est mon avis, si Bika résistance là, vous pouvez toujours là pour danser avec vous. C'est ça, vous pouvez danser. Vous pouvez danser ensemble, ensemble. Pour libérer l'énergie, pour voyager monter, pour continuer comme la solution. Et nous avons rappelé effectivement que c'est ce qu'on fait professionnellement et que ça c'est contribution à vous, que vous avez une bénévolement, contribution à pour le peuple là, pour mener l'amour à vous aussi, l'amour à vous, pour vous dégoûter à vous et pour vous rester encore plus gaillard. Est-ce qu'on a un dernier message à envoyer à tous ces suspendus là? Résistants là. C'est les résistants, c'est l'amour au cabaye. C'est ça, il faut tout Guadeloupéen songer, garder bien en tête à eux. C'est l'amour pour le pays Guadeloupe et c'est l'amour pour la vie et c'est l'amour pour l'humanité en fait. Donc ça a dépassé nous. Combat là, ça, il pour la vie. La vie assis, toute la tête là. Donc pour ne pas partir assis, il est là, ça. Mais ça a propulsé, ça a ça important ça qui a fait là. C'est important, résistance là, ça. Donc, on a dit, un bel merci pour ça. Parfait. Belle merci, on va espérer ça paix, ça qui bout rapidement parce que on va espérer parce que yoja. Puis voilà, c'est forcer l'amour, c'est ça yoja yé, c'est ça yoja qu'a fait. C'est continuer et nous là pour bailler force pour continuer. Eh ben. Merci beaucoup. Merci.